Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 21ème épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors on va parler un peu ici. Eh monsieur, vous pouvez pas utiliser un bouclier Mojo, c'est pour les gamins. Les flèches ne sont que pour les archers. Vous avez un arc, vous? Non, pas encore, mais... Ok, bon. Alors, on devait aller... On a été voir l'arbre Mojo, c'est pas là. Donc ça va être par ici, j'imagine, de retour dans la forêt. Dans les bois perdus. Ok, on peut grimper là. On va aller voir Saria, mais qui est enfermé au fin fond du donjon. Alors, petite seconde, j'entends que le son n'est peut-être pas assez fort. Voilà. Bon, le problème c'est que je ne sais plus par où aller. Forcément. Tu veux parler à Saria? Oui, parler à Saria. Link, c'est Saria. Peux-tu m'entendre? Incroyable, tu es en vie. J'étais sûr que tu donnerais signe de vie. On avait déjà fait, hein. Je suis dans le temple de la forêt. Les esprits de bois ont appelé au secours et je me suis rendu. Mais de terribles monstres pervertissent cet endroit. À l'aide, Link. Bon, dis rien de plus. Et je me fais chaque fois perdre. Tiens. Non, je peux pas lui parler. Vas-y. Pas de réponse. Il doit dormir. Ceci n'a pas l'air de servir à grand chose en gros. Ok. C'est quand même bizarre. Non, bon. Ce sera pas pour tout de suite. Là, obligatoire. Ah oui, on est là. D'accord. Ça. L'œil de cette statue perce mystère. Ok, on va voir si le masque que je ne peux pas utiliser. Ah.
Je me sens un peu perdu, hein. Et c'est pas à cause des bois. Ou pas que. Non, je veux pas parler à Saria. Non, je veux pas te parler à toi. Je voulais essayer de réveiller l'autre là. Je ne comprends pas. Non. Ah oui, voilà. Là. Ça remène au début, ici. Faudrait que je refasse tout le chemin, mais je l'ai plus par cœur et... Ça c'est pour aller chez les Gorons. Il me semble. C'est ça. C'est pas par là, c'est par là. C'est ça. Mais qui êtes-vous? Votre ami Kokiri ne marche pas, je suis pas né de la dernière pluie. Ma giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Là, c'est pour aller chez les Auras. Voilà, hein, il voulait qu'on chante quelque chose, enfin qu'on joue quelque chose, j'imagine. Cette mélodie, Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson, Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. D'accord. Non, non, ça c'est une sortie. Là c'est pas une sortie, là c'est pas une sortie. Je vais poser une bombe ici, voir un peu ce que... Déjà, voilà. Un rubis. Sortie. Sortie. Pas sortie. Mais pas sortie. Sortie, sortie et sortie.
dire que c'était pas par ici. Donc ça va être par là. Oui, je profite de des quelques bugs graphiques qui restent. Voilà. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas. On va revenir en arrière. Tout droit, c'est une sortie. Là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors, par là, c'est l'arbre. C'est la première pierre que j'ai explosée. On peut pas sortir là, on peut pas sortir là. Ça doit être par là. Là, c'est la deuxième pierre que j'ai explosée. C'est une sortie, c'est une sortie, c'est une sortie. Mais là, il y a un trou. J'ai bien fait d'exploser les pierres. Je peux te donner le pouvoir de porter plus de noix, Mojo. Ça te coûtera 40 rubis. Allez, oui. C'est bon. Laisse-moi tranquille et je te vends des flèches. 30 unités, 70 rubis. Bon, 70 rubis, hein. Non, j'ai pas besoin de flèches. C'est tout? Ça pour ça. La bombe. Bon, je vais choisir gauche, droite ou tout droit à partir d'ici. Bon, ben n'importe lequel, hein, on verra bien. Ah bah c'est bon. À partir d'ici, nous allons emprunter les trois passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Utilise la visée Z pour toujours regarder dans la bonne direction. Axe-toi pour voir le fond d'un couloir avant de le bifurquer. Une fois bien placé, maintiens Z pour faire un pas de côté. Ainsi, tu ne seras jamais pris dans une embuscade. Hop, 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 hop.
quelle... Allez. Non mais pourquoi tu grimpes, Link? Reste là, pas bouger. D'accord, tout simplement. Voilà. J'avoue que j'ai eu un peu chaud. Par là, non, il n'y a rien. Par là, il y a de l'eau. Certain que j'ai tout visité. J'ai chaud. Mais c'est pas ça. Oh purée, je me trompe de... Ok. Très bien.
qu'il y avait une fontaine aux fées, je pense. Et ça. Alors, les méchants sont de retour. Voilà. Il y a du méchant, il y a du très méchant. Ok, d'accord, tais-toi. Si c'est pour dire des conneries pareilles, tu ferais mieux de te taire. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai pas de boomerang, j'ai pas de lance-pierre. Arrive à me taper. Bon. Allez. Il anticipe là où je vais là. Ah bah ouais, voilà, c'était tout. Et là si j'ai envie. Non. Ok. Et on y est. Temple de la forêt. La course du temps est cruelle, sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menuet des bois. Vous apprenez le menu et des bois. Link, à très bientôt. Ok, bon. On sait revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici ?
dirais Ocarina. Non, je ne veux pas parler à Saria. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, soit le chant des tempêtes, à bas haut, à bas haut. Ou bien le menuet ici que je viens d'apprendre. Non. Alors, tempête, je pensais tempête parce que je vois un tourbillon au sol, mais... Non. Alors, c'était porté au bois perdu, ben non, j'y suis. Donc à partir de là, non, rien. Ah mais non, fou, oui. Ouais. C'est ça. Enfin, je pense. Bingo. Temple de la forêt. Vous savez quoi, ça fait 29 minutes. Ah, zut, je voulais pas aller si loin. Voilà, on sauve et on s'arrête là. On reprendra dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye !